Wesh les potos, c'est Sois Cool au Mike et petite information en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un AverMedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'un nouveau mode de jeu temporaire qui va sortir très prochainement sur Fortnite. Donc ce nouveau mode de jeu temporaire serait en collaboration avec Avengers, donc Marvel. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc tout d'abord, sur Fortnite, donc Fortnite Game, donc le Twitter officiel de Fortnite, ils ont publié une image où on peut voir Fortnite contre Avengers Infinity War que je vous affiche à l'écran. Donc il est marqué Limit Time Mashup juste en dessous et Snap, je sais pas trop pourquoi il est marqué Snap, mais c'est peut-être parce qu'il y a peut-être un truc avec Snapchat, je sais pas, je comprends pas trop. Mais bon bref, c'est pas grave. En dessous il est marqué The Battle Begin Tomorrow. Donc ça veut dire que bientôt il y aura une bataille de Fortnite contre Avengers dans le jeu Fortnite. Donc là je vais vous mettre un petit extrait de Marvel en fait qui ont créé une intro. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là je vous l'affiche à l'écran maintenant. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut tout simplement voir Thanos is coming Fortnite. Donc ça veut dire que Thanos va bientôt arriver sur Fortnite. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Bah, que peut-être il y aurait un skin des Marvel qui arriverait sur Fortnite. Et là, en fait, sur Reddit, Epic Games ont commenté que non, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y aura pas de skin Marvel pour le moment. En tous les cas, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont prévu. Ce qu'ils ont prévu, en réalité, c'est un mode de jeu temporaire. Et en fait, ce mode de jeu temporaire, il est vraiment ouf parce qu'en fait, ce sera tout simplement un mode de jeu totalement normal, mais dans la map, il y aura un gant de Thanos. Et en fait, quand vous aurez équipé ce gant de Thanos, eh bien, vous aurez le pouvoir de tous les artefacts. Donc, je pense, moi, personnellement, que vous voyez les artefacts qu'on a dans les cratères. Eh bien, c'est de ce pouvoir-là qui parle. Et en fait, ben, tout simplement, quand vous allez trouver le gant qui sera tout simplement unique, hein, il n'y en aura que un dans toute la map. Et bien sûr, celui qui l'aura, je pense que ce sera un objet équipé, donc en bas comme une arme, mais quand tu le tueras, bah, tu pourras récupérer ce gant. Et en fait, avec ce gant, eh ben, je pense que tu vas pouvoir voler, enfin pas voler, mais sauter en apesanteur en illimité. Tu n'auras plus de jauge de limitation en fait. Tout simplement, dès que tu auras ce gant-là équipé sur toi, eh ben, tu feras des sauts super haut et tu te déplaceras super vite dans la map. Donc ça, ce serait vraiment un truc de ouf. Après, c'est possible que le gant apporte plus de pouvoir, des choses en plus. Mais voilà, en tous les cas, ce qu'ils veulent faire, c'est un mode temporaire avec le personnage Thanos, avec des pouvoirs supplémentaires sur le jeu Fortnite Battle Royale. Donc il y aurait une personne équipée de tout ça. Et franchement, je trouve ça trop ouf. Après, si, bien sûr, il y a ce genre de partenariat entre Epic Games et Marvel, ben, on peut se douter qu'il y aura beaucoup plus de choses par la suite. Donc, ils feront sûrement d'autres modes temporaires. Et peut-être aussi, bien sûr, il y aura la possibilité d'avoir des skins de Marvel sur Fortnite si, bien sûr, Epic Games et Marvel se mettent en accord là-dessus. Mais je pense que ça boosterait les ventes des deux. Ben, alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour la petite histoire, c'est que tout simplement, en fait, l'équipe de Marvel, pendant qu'ils étaient en train de faire le tournage de Infinite Warfare, donc de faire le film Infinite Warfare de Marvel, eh bien, en fait, ils se sont dit, vas-y, viens, on va se faire une pause et on va aller jouer sur Fortnite. Alors, ils vont sur Fortnite jouer et c'est de là qu'ils se sont dit, putain, pourquoi on ne ferait pas une collaboration avec Epic Games pour avoir, je sais pas moi, un truc de Marvel dans Fortnite? Parce qu'en fait, c'est des grands fans de Fortnite. Donc, ils se sont dit ça et de là, ils ont contacté directement Donald ou je sais pas quoi de Marvel. De Epic Games, excusez-moi. Et de là, ben, ils ont demandé une collaboration et c'est de là qu'ils ont proposé leur mode de jeu temporaire. Donc, voilà, c'est pas du fake, hein, les potos, c'est vraiment réel. Je vous mets la source en description si jamais vous voulez aller vérifier. De toute façon, je pense que d'autres youtubeurs vont sûrement en parler, ou si c'est pas déjà fait, et de toute façon il y a plein de forums qui en parlent et tout. Donc vous pouvez aller voir sur le Twitter officiel de Fortnite Game et vous verrez bien qu'il y a l'image tweetée, etc. Même sur Reddit vous pouvez aller voir que Epic Game a répondu à la communauté Reddit à propos de ce sujet. Et voilà, c'est vraiment pas du fake. Pour l'instant il n'y aura pas de skin, mais on peut s'attendre à un mode de jeu temporaire qui va bientôt arriver sur Fortnite, et franchement ça va envoyer du lourd. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous tenir au courant des informations et des news
à propos de ce nouveau mode de jeu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.